bord de récession. D'abord, à Athéna, j'ai pris deux bagues avec. J'ai pris vraiment pas mal de branlées là. Droite, gauche. Je me suis fait bien défoncer. Mais bon, c'était fin de carrière. Vous avez vu les recettes? Les grossettes? Ouais, il y en a 5 en 15 mois. Les grossettes? Les trucs qu'on fait là. Ah ouais, sur le sandbar? Ouais. Aïe, 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 ça qui est bon. Mais en vrai, il n'y a pas trop de monde au moins. Ouais. C'est fat. Eh? En fait, backdoor, c'est gros. Avec le line-up, le line-up, il est tellement grand. Attends, bon, moi je vais à l'eau, frère. Dernier set. Et heureusement, j'étais un peu plus en bas que les autres. J'ai pas bien bouffé comme les autres en haut, mais quand même, je le sentais. So stoked when you're on the beach and see everyone get pounded like that. It's sick. Like, yeah, man. Pretty funny, huh? I was bummed because that was the last wave of the set. I knew it too. That was like a fucking 10 wave set, man. It was like eight waves and then stopped for two waves and then went back. Yeah. So everything. Like a Kalani. Wow. Mais il est sorti nulle part. J'ai arrêté de regarder. Il commence à aller. Après je fais go Kalani, I go behind. Après il fait comme ça. No Aimeo, no Aimeo. Je commence à ramer derrière lui, il était là. No, no, no. Et j'ai dit putain, il en pouvait plus. Non, je serais pas sorti. Et tout le monde a rigolé au line. Même lui. Genre il, je pensais pas, il sortait. J'ai baissé la tête, je lui ai parlé, et je l'ai revu sortir dans la mousse en mode mec. Tout le monde rigole. Nous on a juste un mot. Yeah, I told him, hey, go, 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 I go behind, I go behind. Il était là, non, 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 non. Il n'allait pas go. C'était la méga, non? Africa's Obama is the music.
Je voulais faire le show et j'ai bouffé ma race quoi. C'était sympa. Forcément, qu'est-ce qu'on fait quand on est à Hawaï? On récupère des boards hawaïennes. Donc Edo et moi, on vient de rentrer chez Paizel Europe. Donc on est chez Paizel ici à Hawaï. Et on va aller récupérer une ou deux planches parce qu'il y a des vagues qui arrivent et que ce con il a pas ses boards quoi, donc bon. Bah ils m'ont perdu les boards du coup, il faut qu'on va récupérer quelqu'un. Du coup c'est parti, récupérer une ou deux planches, je suis jamais allé encore ici donc c'est nouveau, c'est parti. Pides of Surfboards. Allez, you. C'est Dark Art ça, celle que je cherche là, celle que j'ai récupérée. Ça va être trop large pour moi. Mais c'est le board full carbone là, c'est un peu les nouveaux styles de planches là qui sortent, que tout le monde ride. Il y a Toledo qui ride ça, t'as Kano qui ride ça. C'est les nouveaux types de planches que tout le monde commence à rider là. Moi je suis en train de chercher quelques step up pour pareil pour 107. Quelque chose un peu 6-3 ou 6-6, je sais pas. Mais on est en train de chercher. Moi, je n'ai pas vraiment de board précis en tête parce que j'ai amené quand même pas mal de planches de France. Mais une planche plutôt un step-up. Dans les 6-2, 6-3 pour en avoir une autre, là j'en ai qu'une seule, donc au cas où si je casse. Follow like a more traditional step up, but it's a 6'4", 29'6". So that'll be good for pipes and stuff. That's like that. Pretty nice looking, no? Yeah, it's a 6'4". Actually, I feel like I would be more keen to go into a ball like that, but the 6'0". 6'0" is more random. So I would like more fit in sunset or big five. Or... I think sunset, but even pipe and stuff too. But I don't have any sunset servos. I feel like. That's a like good one just to go out there and live. Still like long enough to power into it and not too long where you can like actually like go for the curve or for the turn. Yeah, for sure. What the model? Next That's step? The next step, yeah. Oh, it's a new one? No, we've had it for a while, but it's just I think so many people like the ghost because John rides it, but there's guys like Nate, Florence, all them, they still ride the next step. It's like a normal move for big wigs. Big wave, that's a step up, a true one. Yeah. So we call it the next step because you know when you're I got it. Je fais le bottom et je lève un peu la tête et je vois la vague qui commence déjà à tuber comme ça. J'aurais jamais le temps de faire le bottom turn et qu'il faut direct que je me cale dans le tube. Donc je suis très très bas, je suis un peu en retard. On est heureux là. Non bah du coup ça y est, on a récupéré deux boards chacun, c'était top. Je t'avoue, je suis arrivé ici, je savais pas exactement quoi prendre, mais je recherchais un step up un peu pour sunset peut-être et une autre board un peu pour Aliva ou pipe. Du coup j'ai récupéré une 6-4 qui peut marcher pour un bon sunset ou un gros pipe et une 6-0 pour un bon Aliva ou un petit pipe. Donc plutôt pas mal, une next step et une ghost en modèle. Merci Paizel Hawa. Et moi pareil en fait. J'ai pris un next step en 6-4 pour un grand sunset ou un pipe et un 6-2 ghost qui a l'air vraiment pas mal et il faut essayer maintenant. Oh, okay. Oh yeah. Solution. Couteau. Ah mon gars, je prépare les sushis là. Non mais frère, il faut que je me protège. Attends mais genre là où il y en a pas tu vois. En toute façon. Tu m'expliques pourquoi tu vas surfer avec un masque, c'est comment? Bah, il faut se protéger du Covid dans l'eau, hein. Distance. La pandémie. Ici, il n'y a aucune vague qui est facile à Hawaï. Et celle-là là. Elle est grave, qu'est-ce qu'elle est chiante putain. La première session à Aliva, on va voir si tu fais le hold up ou pas quoi. Du coup là on est à Aliva et on va aller surfer cette vague, c'est une des vagues mythiques du North Shore. Il y a eu un peu trois grosses vagues du North Shore, c'est Aliva, Sunset et Pipe. Aujourd'hui on est à Aliva. Ça va être la première fois pour Edo, moi ça va être mon premier surf du trip à Aliva.
C'est une vague grave mais très compliquée à surfer. C'est un passage obligatoire pour s'entraîner et tout parce que bah, y a les grosses compètes qui s'y jouent. Il y a le QS, le Challenger et tout. Le courant t'emmène très fort vers le large, donc tu es sans cesse en train de ramer. C'est un peu comme les vagues landaises avec le bon courant. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de mouvement d'eau. Donc la vague est fracassable, mais c'est chaud de vraiment bien la surfer, la comprendre. Pour ça, il faut y passer du temps. Donc on va voir ce que ça va donner là. Première session. Allez, va bébé, let's go. On va tester une nouvelle board en plus. Super session, une vague, c'est cool. Voilà, puissance hawaïenne, on a arraché tout le plug, la board. Regarde, notre morceau il est là, là. Tu le vois là? Bon ben c'est comme ça, hein. On va changer de planche et on va repartir à l'eau. Fait chier, j'ai pris qu'une seule vague avec. J'aurais bien voulu l'essayer un peu plus la board neuve, mais bon, comme ça. Changer de planche, stay positive. Waiting for the stars to align.